Nainai, il faut que tu passes plus de temps ici, avec ta famille. Où est-ce que tu vas? Reviens avant le souper. Sois prudente. Pas de garçon. C'est compris, à plus. J'ai besoin de m'évader. Papa a toujours voulu que je parcours le monde. Un jour. Il y a un Yeti sur mon toit. Salut mon grand. Ou ma grande. Quoi? Ouais, c'est clair que t'es un garçon. Mais d'où est-ce que tu viens? Code rouge! Il s'est sauvé. Ramenez-moi mon Yeti! Tu connais cet endroit? C'est pas vrai. Je vais m'assurer que tu rentres chez toi auprès de ta famille. Everest n'est qu'un enfant. Attention aux poils! Disons que tu es ce caillou et eux, ce sont tes parents. Oh, c'est fou ce que tu leur ressembles. Il y a des gens qui te recherchent. Allez, plus vite! Tu fais de la magie! C'est génial! C'est impossible! J'aurais aimé que papa voie ça. Oui, maman, c'est superbe, Beijing. Peng, il va... Il va très bien. Il nous rattrape! C'était le vieux nom de ton père? Il jouait pour moi tous les soirs, comme s'il voulait me dire que malgré toutes les épreuves, il ne fallait jamais que j'abandonne. C'est magnifique! C'est toi qui as fait ça, Yi! C'était moi? Lorsque Yi veut accomplir quelque chose, rien n'est impossible. Everest! Ce sont des bleuets? Courez! J'ai des bleuets dans des endroits où il ne devrait jamais y avoir de bleuets.